Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment assembler un montant vertical à un montant horizontal. Vous allez voir qu'il y a deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser des vis qui sont spécifiques pour ça. Elles ont le désavantage déjà d'être chères, donc c'est de l'argent jeté par les fenêtres, je trouve. Et qui plus est, elles ont une tête qui est quand même relativement épaisse. La tête va venir ici au niveau du montant horizontal, elle va donc dépasser de la planéité de la structure, ce qui fait que quand vous allez venir mettre votre plaque, eh bien, il y aura cette tête là qui sera dans le passage et qui sera parfois bien dérangeante, jusqu'à parfois casser la plaque si on vient en serrage de part et d'autre. Et du coup, ce que je propose, c'est la pince à sertir. Ça coûte une vingtaine d'euros, je vous mets les liens en description, et vous allez voir, ça fonctionne très simplement. Déjà, je vais m'assurer que mon montant vertical est justement bien à la verticale. Donc, je le cale à ce niveau-ci. Hop, je regarde un peu plus haut. Voilà, donc là, il est nickel. Voilà, donc à ce niveau-là, il est bien vertical. Et je fais passer tout simplement cette partie ici à l'arrière. L'autre reste devant. Et puis, je viens serrer tout simplement. Évidemment, on peut faire l'opération pour la partie arrière de la structure. Vous avez vu, à une main, ça fonctionne aussi. Donc on a un point ici de sertissage que l'on va faire également en haut, logiquement. Alors, ça n'a pas besoin non plus de tenir, ça tient, d'accord? Il n'y a pas de souci. Ce qui va vraiment solidifier l'ensemble de la structure, c'est quand vous allez simplement venir poser vos panneaux et les visser à la structure. Vous allez mettre une vis ici, une vis là, une vis là, une vis là, donc l'angle il sera parfaitement, parfaitement maintenu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors si vous constatez que le sertissage n'est pas satisfaisant, rien ne vous empêche en fait d'en faire un deuxième un centimètre à côté, donc ça c'est possible aussi. Donc vous pouvez même faire trois points sur cette zone-là sans aucun problème. Vous aurez un sertissage d'autant plus robuste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous mets les liens en description pour retrouver ce genre de produit au meilleur prix. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut !